Bien, on va se rendre en Angleterre. Le prince Lionel veut qu'on lui construise une salle des fêtes dans son château. C'est son anniversaire et il veut pouvoir le célébrer ce soir. Je n'imaginais pas l'océan aussi immense. Waouh! Regardez ce bus typique à deux étages. Oh, et aussi cette gigantesque maison. C'est Buckingham Palace. Vous êtes grande tour avec cette horloge? Oui, oui, elle s'appelle Big Ben. On est arrivé. Voilà le château du prince Lionel. Ah, notre prince ne manque pas d'air, contrairement à ce château. C'est bon, je sais. T'inquiète. Non, ben, en fait, je gère pas du tout. C'est hilarant. Aussi, je compte sur toi pour fournir encore plus de divertissement à l'avenir. Votre divertissement? Je veux bien, mais c'est pas vraiment mon travail. Je comprends, mais accepterais-tu contre une place au sein de ma cour? Au sein de la cour? Comptez sur moi! C'est un vrai bonheur! Allez, le reste de l'équipe devrait être en mesure de terminer le chantier. Soyez attentifs. Alors, on a été engagé par la célèbre chef Boyang Panda de Chine. Elle est connue pour ses formidables et délicieux dim-sum. Ce mur est super long, il est interminable. Oh là là, la grande muraille de Chine. Et regardez, vous avez vu cet immense palais? C'est la cité interdite, les gens viennent du monde entier pour la voir. Bah du coup, elle a pas l'air trop interdite. Oh, on est arrivé au restaurant de la chef Boyang. Ni men hao, lune construction. Ni hao, chef Boyang. Bienvenue dans mon humble restaurant, le palais de Poyang. C'est un grand honneur de te rencontrer, chef Poyang. Est-ce que tout va bien à l'arrière? Oh non! Mes avionniers! Le rêve, c'est décidé, j'emménage en Chine. Oh, on a des raviolis qui volent partout. Alors ça, on s'y attendait pas. Non, finalement, ce resto-bus est un véritable échec. Des plats qui volent, il y a vraiment pas de quoi en faire tout un plat. Très bien, alors on a été engagé par Chibi l'écureuil, un client qui vit au Japon. Chibi possède une salle d'arcade pleine de jeux. Il va ouvrir un nouvel espace et il veut qu'on lui construise une machine à griffes. On va aller au Japon. Et on va pouvoir jouer à plein de jeux amusants. Oh, regardez le palais impérial. Et là, c'est le mont Fuji. Ouais, il est très impressionnant. C'est vraiment du vivant. Il faudra qu'on revienne ici. Que c'est de paysans? Vous avez vu tous ces restaurants? Konnichiwa, Lune Construction. Je vous remercie d'être venu dans ma salle d'arcade. On est ravis d'être là, Chibi, et de construire cette machine à griffes. Usagi, Shiba et Tani ont des cadeaux très spéciaux à vous offrir. Oh, c'est trop adorable, merci. Incroyable. On a fait de l'origami, c'est l'art japonais ancestral du pliage de papier. Hé, hey, chez moi, mais tout rikiki et en papier. Merci les enfants, je veux dire... Arigato. C'est vous qui construisez la machine? Elle est déjà prête? Non, pas encore, mais bientôt les enfants. Venez, on va jouer à d'autres jeux pendant qu'ils travaillent. Matanée, à tout à l'heure. Bien tenté, Duffy. Bon, bah quoi? Ça valait le coup d'essayer.